Inch'Allah. Et je suis d'accord. Et de vous êtes rentré à l'intérieur, mes yeux ont été éblouis. Vous êtes magnifique. Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah. Qu'allons-nous faire? Et en ce moment, on vous regarde, on vous observe. Masha'Allah. Et d'abord, faisons un appel serré. Un bon appel. Et commençons avec l'appel à la conversation. Et on ne sera pas rassasié, donc, de la conversation sur la foi, Masha'Allah. Et je peux continuer si vous voulez. Oui. Et j'écris l'appel ainsi. Et ma vie, mon cher honorable, la douceur du monde, notre cher, le char des chers, le cher Nazım el-Kubrisi. Hier, il allait bien, Masha'Allah, donc il a eu légèrement donc, une voix qui est un peu baissée. Et surtout, donc, il ne fasse pas approcher les personnes malades auprès de notre cher. Sa tension et son pouls sont normaux. Et il a mangé des pois chiches écrasés, donc des betteraves avec l'huile d'olive, de la soupe, sont de très jolis aliments. Vous savez, notre cher, et vous, dans la lutte contre le PKK, les citoyens, donc, ils devaient indiquer, renseigner les forces de sécurité. Et en particulier, concernant les renseignements, ils devaient, vous y avez invité à aider nos militaires. Et suite à l'information de nos citoyens, alors qu'un, donc un soldat turc est tombé martyr et 14 PKK ont été tués. Mais je le dis toujours, la lutte idéologique finira ce sujet à la base et solutionnera ceci à la base. Et deuxièmement, donc ce qu'on voit risqué, cette loi des mairies, je vois cela un peu risqué, surtout pas. Donc le système de présidence, la fédération, ceci, cela, donc qu'Allah nous en garde. Et cela pourrait emmener donc le fait comme ouais, donc cela pourra donc faire des développements et faire des développements donc pour faire un accouchement donc sur il faut faire très attention donc sur le projet du PKK donc les personnes qui sont expertes ils doivent faire de très bonnes recherches et ils ne doivent laisser aucune faille mais comme elle est douce comme elle est jolie n'est-il pas c'est-à-dire donc nous avons demandé à Aileen. Et vous êtes une personne pleine de sacrifices, Inch'Allah. Qu'allons-nous faire? Est-ce que nous allons donner une pause? Oui, bien sûr, Inch'Allah. Donc de la Norvège, c'est Hannah. Oui, c'est très bien. C'est une douceur du monde. Ses yeux sont verts, son nez relevé, il est joli, petit. Ses lèvres sont très jolies, ses dents sont jolies, son attitude est jolie. Sa taille, ses statures, de toute manière, est magnifique. Elle est courtoise, humaine. Elle est chaleureuse. Et elle, c'est notre fort intérieur. Donc, elle est devenue amie avec nous tous. Oui, donc, sous peu, Masha'Allah. Comment, donc, est-ce que tu as apprécié Istanbul? J'aime beaucoup Istanbul. Et est-ce que tu as aimé tes copines, tes amis? Oui, beaucoup. Donc, tous sont très amicales, si amicales. Et me concernant, quel est ta point de vue? Et vous êtes très charmant, très amical, attirant. Donc, j'aime beaucoup. Je suis très content d'être ici. Comme elle est positive, comme elle est douce, Masha'Allah, tu es très douce, Masha'Allah, Masha'Allah. Et j'aime vous dire également donc que toutes les filles, que tout le monde est très bien, très joli ici. Comme c'est une jolie personne et n'a pas d'orgueil, d'arrogance, il n'y a pas une telle chose, elle est très humaine, très positive. Bravo, Masha'Allah. Et comme tu as une belle moralité, Allah te protégera constamment, qu'Allah te donne la bonne conduite, la santé, qu'Allah te donne la belle chose, la bénédiction, et qu'Allah augmente encore plus ta joliesse, et qu'Allah donc te permette de vivre une vie sereine, une bonne vie, Inch'Allah, mon fort intérieur. Merci tellement. Et c'est pour toi, cela. Elle est extrêmement douce.
et elle est très douce. Et c'est étonnant, donc Allah crée les gens, donc essence par essence, chacun. Elle est l'autre qui est venue, donc la petite. Elle est également très douce. Elle est très douce. Et comme les petites filles sont douces, c'est étonnant, donc les lapins, les chats, et au-dessus de tous, les jeunes filles, elles sont très douces. Vous savez très bien aimer, mashallah. Et elle, c'est mon unique, c'est mon fort intérieur. Et donc, le fait qu'elle soit joyeuse, à l'aise, c'est très très bien. En ce moment, sur Twitter, donc à l'échelle mondiale, et la chaîne A9, donc l'expression que je regarde est au deuxième rang. Et sur Twitter, donc à l'échelle mondiale, est au deuxième rang. Donc, je regarde la chaîne A9. Et c'est très bien. Alors, nous devons être premiers. Oui, faisons des efforts pour être premiers, Inch'Allah. Et j'ai dit, donc les paroles de la chanson. Et donc, accommodons cette chanson. Cher Biril, comment allez-vous? Et ici, on le voit donc sur ATV, je regarde A9 TV et ils peuvent participer, nos frères peuvent participer sur cela, donc depuis Twitter. Donc A9 TV, je regarde. Et vous avez dit que cela doit être numéro 1. Et moi seulement, donc en disant A9, A9, donc le slogan. L'amour est très bien. Par exemple, ma vie de Norvège, une Norvégienne, c'est une douceur du monde. Elle est comme un agneau. Par exemple, elle est chrétienne, mais elle est de la lumière. Elle est extrêmement douce. Et qu'Allah lui donne, Inch'Allah, la guider. Elle aurait pu être juive, elle peut être musulmane. Donc, c'est un être humain qu'Allah a créé, mais de sa main et de son visage, la lumière coule, la douceur, le miel coule. Moi, est-ce que je peux voir ses yeux de plus près? Comment sont ses yeux, le nez? Il est magnifique. Comme elle a un joli monde, ma vie, elle a son monde est tout propre, masha'Allah. Qu'Allah augmente son amour, masha'Allah. Et la personne est très à l'aise auprès d'elle, elle donne de la sécurité, de la confiance. Donc, mon unique, mon bébé, masha'Allah. Cher Biril Sultan, comment allez-vous? Je vais très bien, louange à Allah. Maintenant, donc, demande à la communauté du prophète Mohammed, donc, de quoi veulent-ils que je parle? La sourate Joseph s'est ouverte quand j'ai ouvert le Coran. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Qui sait donc quel code est donné? Alif, Lam, Ra. Donc les lettres du Coran. Et ce sont les versets clairs du livre. Certes, nous, et pour que vous donc raisonniez, nous avons défendu en langue arabe, donc réfléchir, penser donc finement, faire des recherches en pensant profondément, et les sagesses à l'intérieur, donc essayer de les trouver, dit Allah. Et donc ces points, donc ces jolis trésors à l'intérieur du Coran, trouvez-les, mais cherchez, mais Allah dit si vous raisonnez, vous trouverez. Si vous réfléchissez, nous, ce Coran, donc, en te le révélant, donc, certes, les meilleurs récits, nous te les avons transmis. Regardez, donc, constamment, l'attention est attirée sur le Coran. En dehors du Coran, l'attention n'est rien attirée. Donc, Allah dit que les plus beaux récits sont à l'intérieur du Coran. Par exemple, le récit de Joseph, les récits sont très importants dans le Coran. Or, donc, auparavant, tu n'étais pas au courant de cela. Et donc, nous n'étions pas au courant, nous, par exemple, de beaucoup de choses, même à notre prophète aussi révélé, la comète de Luline, la comète de Halley, les autres événements, tous ont été faits savoir par la suite.
Et Joseph disait « Oh mon père, regardez donc, c'est une expression pleine de compassion, mon père, certes moi, son père, vous savez, donc est Israël, donc c'est le prophète Jacob, et sur lui, et dans mon rêve, j'ai vu 11 étoiles et 111 versets. » Donc la sourate de Joseph, verset 111, pardon, c'est 111 versets, donc c'est la 12e sourate. Regardez, il y a 111 versets, qu'est-il dit? 11 étoiles et le soleil. Qu'est-ce que cela fait? Cela fait 12. Mais donc, l'attention est attirée sur le 11. Et j'ai vu la lune. Et je les ai vus quand ils se prosternaient à moi. Ici, il y a un secret. 11 étoiles, le soleil et la lune. C'est-à-dire les pays du monde, vous le savez donc pratiquement tous. Soit il y a une étoile dans les pays islamiques, c'est le croissant, ou sinon comme en Turquie. Donc le croissant et l'étoile, donc leur drapeau, l'emblème. Donc le soleil, la lune et les étoiles. Et dans les drapeaux du monde, ce sont les signes qui dominent. 11 étoiles. Tous donc vont se conformer à qui? Au Mahdi avec l'autorisation d'Allah. Et ainsi, ton Seigneur va te choisir parmi les notables. Et la valeur abjad donne 2018, donc la valeur numérique des lettres aux Arabes. Et ainsi, ton Seigneur va te choisir parmi les notables. Choisir. Et la valeur abjad est 2018. Nous sommes en 2012. Il reste peu jusqu'à 2018. Ainsi, ton Seigneur va te choisir parmi les notables. Va te choisir. Et Youssouf, Joseph et ses frères, pour ceux qui demandent, il y a des versets. Joseph et son frère, donc qui? Jésus, Messie et le Mahdi. Et la valeur abjad de ce verset, donc de ceci est 2019. Là, c'est 2018 et l'autre, c'est 2019. Joseph et ses frères, pour ceux qui le questionnent, il y a des versets, donc des signes. Quel verset? Le 7e verset. Et donc, le lien de Joseph et avec le chiffre 7, de toute manière, est cité dans la sourate Joseph. Les 7 règnent constamment, dominent. Ainsi, ton Seigneur donc, va te choisir parmi les notables. Donc, 2018. Et Joseph et de tes frères, pour ceux qui t'interrogent, il y a des signes. Et la valeur abjad est de 2019. Cher Didem, je vous écoute. Oui, Inch'Allah. Et encore dans la sourate Joseph, Allah donc est victorieux dans son ordre. Cela donne la date 2014. Il reste peu jusqu'à 2014. Donc, c'était un des secrets de la sourate Joseph. Allah donc est victorieux dans son ordre. Et la valeur abjad est 2014. Oui, j'écoute. Inch'Allah. Et le groupe Doan, tous les chroniqueurs, et dans l'organisation terroriste Ergenekon, en tant que témoin, donc ces personnes, cette personne dont le passé est obscur, ils écrivent des articles sur lui. Et aujourd'hui, Mehmet Ali Brand, Cengiz Candan et autres. Donc, comment une telle personne pourrait être témoin dans une chose? C'est contraire à la démocratie, selon lui. Et ce témoin fait de l'ombre à ce procès, il dit. Donc, pourquoi? Et s'il avoue sa faute, s'il dit ce qui est juste, s'il dit la vérité, et si donc il dénonce la culpabilité, ceci est une supériorité, c'est bien. Et qu'est-ce qu'il va le cacher? Que va-t-il faire? Même Abdullah Öcalan, s'il sortait, il avouait, s'il expliquait tout, ceci est une bonne chose, ceci n'est pas une mauvaise chose. Et le fait qu'il le cache, c'est mauvais, donc le fait qu'il explique, c'est bien. Alors, donc une mauvaise personne va-t-elle être mauvaise toute une vie? Et est-ce qu'une mauvaise personne ne va-t-elle rien pouvoir faire? Et ne va-t-elle pas pouvoir donner donc de bonnes informations, d'une bonne information juste? Et le fait qu'il donne des informations justes, c'est bien. Ou sinon, s'il doute si c'est juste ou pas, qu'il fasse des recherches. Mais une personne peut donner des informations justes. Même d'un criminel, tu peux obtenir une information juste. Même d'un voleur, tu peux obtenir une information juste. Et donc, est-ce qu'on peut dire qu'un criminel, un voleur ne va jamais donner donc d'informations justes? Alors donc, à ce moment-là, donc, on ne portera jamais crédit, même à aucune de leurs déclarations.
Et si tu acceptes ces autres déclarations, celle-ci aussi tu vas l'accepter, Inch'Allah, et il peut dire la vérité. Et donc, si tu les réunis avec les autres déclarations, c'est bon. Et Tansu Çiller, le 28 février 1997, le coup d'État, en fait, cela a été fait à moi. Et Ahmet Hakan a écrit un article, dans son article, le coup d'État du 28 février 1997. Erbakan, les deux parties donc, ont été fermées et qu'ils ont mis les biens sur l'association La Patriote. Et malgré tout cela, Tansu Çiller, le fait qu'elle dise que cela a été fait contre Tansu Çiller, a dit que cela est fait contre moi, ce n'est pas juste, a-t-il dit. Non, elle dit la vérité. La mentalité démocrate, ils ont voulu l'enlever. C'est-à-dire, ce qui a été fait à Adnan Menderes, donc ceci est également, donc c'est le même lien, c'est la même logique. D'accord, donnons une courte pause et